Bien, les amis, on y est. La dernière ligne droite de notre premier jeu de notre série Frisson, Amnesia, The Dark Descent. Honnêtement, ça a été un moment assez intense et assez agréable pour une grande partie du truc. Grande partie du jeu, pardon. Jusqu'à cette partie un peu de torture qui était un peu glauque, quand même. Donc, achevons ces horreurs. Elle pleurait et luttait alors qu'il lui tirait le bras. Sa robe fleurie du dimanche se déchira et elle tomba dans la boue. Hello. Je suis attristé de te voir si rempli de haine. C'est vraiment la vengeance que tu cherches? J'ai espéré que toi, plus que quiconque, aurais pu apprécier la nature sérieuse de cette situation. Après tout, c'est toujours pour ta vie que nous nous sommes battus. Ça ne vaut pas un petit sacrifice? Tiens, aide-moi à terminer le rituel. Tu as encore le temps avant que l'ombre ne te rattrape. Non, ne fais pas ça. Tu m'étonnes que je vais faire ça. Tu vois que tu doutes de mes intentions. Pourquoi est-ce que je prendrais tel risque pour sauver ta vie? Damit, peut-être que j'essaie de sauver la mienne aussi. Pourquoi t'es à poil encore? Pourquoi tout le monde est à poil dans ce genre de situation? Hein? Pas faire un rituel habillé, peut-être? Arrête, Daniel, tu es en train de la détruire. J'ai envie de dire, tant mieux. Nous sommes si proches, je t'en supplie. Tais-toi, vieux schlock. Pauvre idiot! Tu nous as tués tous les deux. C'est tout. C'était mon plus grand triomphe. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Wow, wonderful. Tu crois que j'étais effrayé à l'idée de fuir Brandenburg? C'est tout le contraire. J'ai su que c'était mon purgatoire, le feu d'enfer pour me laver de mes péchés. Ouais, je suis pas convaincu de ces conneries, mais bon. Ça ne sert à rien de nier les choses que j'ai faites. Mais j'ai rendu mon hommage. Je leur ai donné cet homme horrible. J'ai fait ce qu'il devait. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, pardon. Et tout s'écroule. J'aurais peut-être dû garder cette fin pour la fin. Ouais, c'est le problème. C'est que c'était la fin la plus gentillette, je crois. Fin, tout à fait, fin. Fin. Première fin. Et... deuxième fin. Il faut que vous me disiez... Il y a une petite... il y a quelques heures supplémentaires. La vue de son corps inanimé lui paralysa l'esprit. Il essaya de se retirer de la scène, mais il n'y parvint pas. Au lieu de ça, il tomba à genoux et lui demanda pardon. Bon, je vous dirai à la fin ce que je voulais vous dire, parce que je ne peux pas réfléchir. Là. Isn't it worth a little sacrifice?
Viens, aide-moi à finir le rituel. Tu as encore du temps avant que l'on ne te rattrape. Je vais me brûler. Allez, dépêche. Bon alors, puisque c'est si long que ça... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? Je le laisse finir, non? Oui, il est en train de se débrouiller. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc il reste... Il y a une petite, un petit add-on qui a été ajouté à ce jeu, un peu après sa sortie apparemment, où on raconte un peu la vie de la jeune fille, je sais pas exactement laquelle. Je crois pas que ce soit la petite fille qui se soit enfuie et que Daniel a pourchassé. Je crois que c'est plutôt que la jeune fille qui a été sacrifiée, je sais plus si vous en rappelez, un peu bizarrement. Hein. Enfin, je crois celle qu'on a entendu crier pendant une bonne partie de l'aventure et qui, on s'était aperçu qu'elle s'était fait en gros sacrifier quoi. En tout cas, cette jeune fille s'appelle Justine et elle a un add-on réservé à elle qui s'appelle Justine. Donc, si vous voulez voir un peu plus d'Amnesia, si vous voulez aller un peu plus profondément dans les choses, comprendre un peu mieux de quoi il s'agit, j'ai besoin que vous réagissiez et que vous me disiez « On en veut plus, Shaimon, s'il te plaît. Est-ce que tu peux le voir, Daniel? Un autre monde, n'est-il pas beau? Je peux enfin retourner chez moi. » Ah mon dieu, que faire, que faire? Ah j'ai une crampe, je ne peux pas l'en empêcher. Ah mon dieu. Mais toi, je suis désolé Daniel, tu ne pourras pas entrer. Tu es encore corrompu, marqué par l'ombre. Elle te consumera quoi qu'il arrive. Non, laissez-moi venir avec vous. S'il te plaît, cette personne-là. S'il te plaît, laisse-moi partir. Exactement cette personne-là. Oh mon dieu. Ouch. Je suis innocent. Ah, je ne te le dirai jamais. Tu voyais cette fille-là dont on parle. C'est celle-là que je parle, moi. On te pourra apprendre plus. Ouch. I am day 2. Merci, mon ami. Ton sacrifice ne sera pas oublié. Tu seras commémoré. À jamais. Sale père. Donc, cette jeune fille qu'on entend hurler à la fin, encore une fois, c'est elle. Le tout petit souci, je regarderai s'il y a un patch en français, mais en théorie ça va être de l'anglais pur et dur. Même les textes seront en anglais apparemment. Donc voilà. Ah oui, alors les trois, il y avait un code tout à l'heure, il y en avait encore un là. Si vous avez ces trois morceaux de code, vous pouvez accéder à un dossier secret, à un zip, je crois, ouais c'est ça, un zip, dans les dossiers d'Amnesia. Et donc c'est un zip protégé. Et si vous mettez les trois parties du code, vous avez accès à ce dossier. Et en fait, c'est un dossier où il y a plein d'informations, plein de dessins, du jeu, art. Je sais plus comment appeler ça, des art quelque chose, quoi. Le texte entier, tout ce qu'on voit entre les portes. Ça vient d'un texte, en fait. Il y a une espèce de petite nouvelle entière sur le jeu. Bref, hein, c'est un coffret collector, presque. Si vous voulez en savoir plus. Dernière fin. Avant de se débarrasser du scénario principal d'Amnesia. Hello again. Oui, je sais. Yeah. Oh mon dieu, que faire? C'est la panique. Oh là là. Non.
une catastrophe, c'est une catastrophe. Ouch. Ah, pas non. Oh mon Dieu, mon Dieu. Non, je ne veux pas t'aider. Et c'est... Non, je ne vais pas faire ça parce que si je peux vraiment sortir, ça va être chiant. Non. Alors j'ai vu qu'une boule s'activer depuis tout à l'heure. Est-ce que les deux autres s'activent ou pas? Pas des masses, hein. Ça y est. Ça vient. Oui. Pourquoi tu flottes d'abord, Edwin? Pas le droit de flotter, ça n'existe pas là. La lévitation, mon gars. Trouve-moi ce portail qu'on termine enfin. Allez, open it! Open it! Allez. C'est long. On sent que t'es vieux et plus très efficace hein, quand même, hein. Allez, open this door. Ouvre-moi ce portail, bon sang. Je me mets comme ça parce que je veux pas trop montrer son sexe. Oui. Ouch. Comment je place Agrippa là-dedans? Are you kidding me? J'ai pas la tête d'Agrippa, Ali. Je l'aurais pas laissé par terre devant le cadavre, quand même. Mais c'est pas possible. J'ai très probablement pu faire ça, hein. Alors c'est ce que j'ai fait, ma parole. C'est ce que j'ai fait, ok, bon, je me suis gouré. Il faut qu'on recommence encore. Charger la partie. C'est ce que je me suis dit, pourquoi j'ai pas la tête dans l'inventaire? C'est bizarre. Oh mince, c'est trop tard. Non, je pourrais jamais finir entièrement le jeu. Si, ce que je peux faire, c'est ça. Excusez-moi. Je vais vraiment tourner en bourrique. Presbytérium. Yes, indeed. Je crois que c'est ça. J'ai besoin de ta tête, Albert. Eh ben voilà, crétin des fesses. La tête d'Agrippa, enfin. Oh là 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 là. On va pouvoir faire la dernière. Clignule. Il s'était mis en colère, c'était facile de se servir de son insolence et d'en faire la méchante de l'histoire. Elle ne méritait pas de mourir, mais elle lui pouvait le voir. Et je bouffe un peu mes mots. Et encore le truc... Oh là là, faut tous retaper. Non. Il y a de fortes chances qu'il y ait l'autre crétin là-bas, là. Même pas.
Ok. Do this. Bim. Raté. Au. Magnifique. Ça me fait encore marrer cette histoire d'ombre qui était coincée dans le coin là. J'imagine qu'elle a aussi. Que l'utilisateur aussi a perdu le contrôle de. Le créateur, mais je dis n'importe quoi. Le créateur de cette créature a aussi perdu son contrôle. C'est ça que je voulais dire. Par rapport au codeur du jeu, en fait. C'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est parti. Alexandre vit les dégâts causés par la soirée sur l'esprit de ses amis et décida de le bannir du sanctuaire intérieur. Il ne faisait plus confiance pour continuer à faire partie du rituel. On parle de Daniel, probablement. Je sais pas, j'en sais rien. Vite. Oui, ok, d'accord. Ok. Next one. Hurry up. Yeah. Ouch. Vas-y, tombe. Quoi? Je tombe pas au sol? Ah, ça a dû rater de l'autre côté, en fait. Voilà. Que je tombe un peu. C'est marrant, là je peux être allongé par terre mais j'arrive quand même à marcher. Allez. Ouch. Ah, c'est chiant ce machin. La vue de son corps inanimé lui paralysa l'esprit, il essaya de se retirer de la scène, mais il n'y parvint pas. Au lieu de ça, il tomba à genoux et demanda pardon. Il venait de sacrifier la jeune femme. Tout tourne autour de cette fille, je suis sûr. Ah, ça a changé, je vois qu'Agrippa t'a configuré de faire quelques courses. Dis-moi, est-ce que tout est beau et clairvoyant maintenant, est-ce que je suis le méchant? Le bien et le mal. Ce sont des concepts tellement réconfortants, mais difficiles à mettre en pratique. Es-tu aveugle au point de ne pas voir le bien en moi? Ou le mal en Agrippa? Alors j'ai du mal. Et que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon. Ou même Daniel, hein, franchement. Ah, magnifique. Ah, ça va durer encore 3 plombes, comme tout à l'heure. Donc, je réitère ma demande. Si vous voulez voir les quelques heures supplémentaires de la donne Justine de Amnesia, faites-moi signe. Il me faut des commentaires. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Sinon, on passe à autre chose. Voilà.
Quoi d'autre? Que puis-je dire d'autre? En attendant, parce que ça va durer des plombes. J'ai essayé de relancer une nouvelle mini-série. Non. Oubliez ce que je dis. Non, non. Je dis pas ça parce que le temps que vous voyez cet épisode-là, ça sera sûrement dans un mois. Donc, ce sera plus d'actualité. C'est un peu compliqué quand même d'enregistrer pas en temps réel. C'est que... on sait plus trop quand on va être dit quoi, à quel moment. Donc, oubliez ça. J'aurais certainement trouvé d'ici là... enfin, vous aurez certainement vu le premier épisode de ces mini-séries-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Bref. Oh là 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 là. Allez. Ah, ça y est. Mince. Trop tôt. Trop tôt. Qu'il soit bleu, c'est ça. Oh là là. Ça y est. Non, pauvre idiot, je nous ai ruiné. Ouch. On va pas dire, mais c'est un petit peu la même fin, non? Pas sûr, en fait. Ah, je peux avancer peut-être? Ah oui, je peux avancer. Le voilà. Est-ce que tu le vois, Veyer? Il mérite tellement plus. Aide-le, s'il te plaît. Je sais que tu peux le faire. Mais où est-ce qu'ils sont, ces couillons? Dans quel monde, soi-disant, ils sont? C'est ça qui est bizarre. Ne t'en fais pas, Daniel, ça va aller. Ils sont de l'autre côté de la porte. Côté de la connaissance suprême. Ok, donc on pardonne toutes ces saloperies, quoi, en gros. Hein. C'est un peu ça le délire, hein. Franchement. Tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est moche. On tue machin et on profite des lauriers, c'est ça? Ouais. Y'a aucune fin particulière qui me satisfasse vraiment, quoi. Pour moi, ils sont tous méchants là-dedans, ils doivent tous mourir. Même Daniel. Parce que Daniel, quand même, hein, il n'a qu'à pas être aussi faible. Bref, pour cette, sur ces mots assez ridicules de ma part, je trouve, je vous tire à ma révérence. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires, d'autres aventures, d'autres jeux et d'autres choses. Et pour la troisième fois, si vous voulez voir la vie de la petite Justine de la donne, grâce à la donne Amnesia, faites-moi signe pour avoir quelques heures supplémentaires de jeu. Voilà, bye bye. Soyez sages.